Bonjour Sylvie, effectivement, on est aujourd'hui confronté à une conjoncture assez exceptionnelle, conjoncture mondiale de pénurie, d'augmentation complètement exponentielle au niveau des tarifs, au niveau de toutes les matières premières. Toutes les matières premières sont impactées, que ce soit l'azote, que ce soit le phosphore, que ce soit la potasse, que ce soit la magnésie, tous les éléments, sans exception. Alors, l'ensemble des forces d'achat et des forces vives du groupe Perrier sont mobilisées sur le sujet. La gestion, elle se fait au quotidien par des achats d'opportunités, elle se fait par des prévisionnels extrêmement précis, elle se fait aussi par des partenariats forts avec des fournisseurs qui nous accompagnent depuis des années et qui nous font profiter de leur capacité de production et surtout de livraison aujourd'hui, puisqu'on est confronté à ce problème vraiment particulier. Alors effectivement, sur les engrais phosphatés, sur tous les éléments, je l'ai dit tout à l'heure, mais sur les phosphates en particulier, on a des difficultés d'approvisionnement et de pénurie. Depuis 2013, le groupe Perrier s'est engagé dans des solutions alternatives à l'utilisation des phosphates par le biais, par exemple, d'une bactérie, un bacillus amylo-liquéfacien, c'est une bactérie extraordinaire qui permet d'extraire le phosphore au niveau du sol, qui est commercialisé sous le nom de Rice Pi par la société l'Allemand Panker qui nous fournit ces bactéries. Ces bactéries, quand elles arrivent au niveau du sol, elles vont s'installer dans la rhizosphère de la plante. Elles vont extraire le phosphore pour la plante. En retour, la plante les nourrit par des exudats racinaires. C'est un exemple magnifique de symbiose qui nous permet de récupérer 30 à 40 unités de phosphore, entre guillemets, gratuit, mais d'une extrême efficacité. Effectivement, le groupe Perrier est très engagé dans ces dossiers dits alternatifs, de biostimulation, de phytothérapie, on l'a vu tout à l'heure, avec des bactéries capables d'extraire le phosphore. La biostimulation, c'est le produit qui permet aujourd'hui de s'inscrire dans un plan de fertilisation, dans une démarche de fertilisation qui permet d'aller percer ce plafond de verre et d'aller chercher tous les rendements et toute la physiologie nécessaire à la production d'une plante. Les nouveautés cette année, elles sont au niveau de la gamme Végénature, au niveau de la gamme Intratech, avec des produits à base d'algues, des produits à base de glycine bétaïne, des produits techniques, mais des produits homologués et des produits, là aussi, d'une extrême efficacité.